Allô ? Ah ! Alors aujourd'hui on va parler du nouveau clip de Kinvé qui s'appelle Rien qu'une deux fois. Bon, si jamais vous connaissez pas Kinvé, c'est une machine à tube, hein, on l'a connu à ses débuts avec à l'horizontale, jeu sensuel, tu connais. Alors sa première particularité c'est son style musical, on va dire qu'il fait du ragga dancehall. Sa seconde particularité c'est que c'est un chanteur non labial, c'est-à-dire que c'est un chanteur qui n'a pas de lèvres. Alors il y a même des légendes autour de ça comme quoi un poisson lui aurait volé, je sais pas quoi, moi j'y crois. Ouais chérie. Ouais chérie. Écoute, je ferme la boutique là, donc je pense être là d'ici 5 petites minutes. Oh. Ouais, c'est le travail. Ça va ? Attends. Attendez. Des chaussures à scratch. Là, je vais avoir un attaque. Faut pas faire ça avec moi. Hein. Je vais regarder sur internet ce qu'ils pensent des chaussures à scratch. Tiens, c'est bizarre, il trouve que c'est de la grosse merde. Alors en 10 secondes, on a déjà un fort accord. Je vais pas vous dire lequel c'est, je vais vous le laisser le trouver, c'est plus rigolo. Mais moi, ce qui me préoccupe, c'est que la blonde. Ok, elle ferme la boutique, voilà, machin. Mais laisse pas les fleurs dehors. C'est pas pro, c'est une faute grave. C'est con, c'est comme si tu gardes ta bagnole, tu laisses les clés dessus. Ouais, avec le contact même. Ouais, super. Il y a un manque de... Il y a vraiment aucun principe de raisonnement, tu vois. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis sûr que tu es celle que j'ai toujours attendue. J'aurais aimé te dire des mots que tu n'as jamais entendus. Car à mes yeux, je t'aime est devenu bien trop répandu. Te sortir de ta vie morose, je saurais le faire. Je serais voué à ta cause pour te satisfaire. Je ferais pousser tes roses en plein désert si cela peut te plaire. Je suis sûr que tu es celle que j'ai toujours attendue. Non. Listen to your heart. Alors, quelques secondes avant, elle dit... Ouais, chérie. Elle dit chérie au téléphone, donc on est donc dans ce clip face au problème suivant. La meuf que tu kiffes a déjà un mec, comment tu fais pour la gérer? Voilà, on en est là, vous allez comprendre, on reviendra sur la question, on aura la réponse en fin de vidéo. Je ferai pousser tes roses en plein désert si cela peut te plaire. Rien qu'une fois, toi et moi, rien qu'une nuit, je t'en prie. Rien qu'une fois, toi et moi, peut-être pour la vie. Rien qu'une fois, toi et moi, rien qu'une nuit. Tu vois, je la sens venir là. La soupe traditionnelle du son love, un peu tout ça. Moi, je vois une mise à jour de celui de Colonel Riel, version piercing, Kinvé. Mais voilà, mais c'est, je vois, ça m'émue. Ça se dit ? Non, ça m'émoie. Ça m'émie. Ça me ferme ta gueule. Oui, rien qu'une fois, toi et moi, ou peut-être pour la vie. Je n'ai jamais éprouvé ça. Stop! On arrête tout. On regarde sa main. Pas la sienne, celle de Kinvé. Un tatouage carpe diem. Carpe diem. Un bof. Ça c'est bof, ça c'est bof. Putain, qu'est-ce que ça c'est bof. Ça c'est bof, ça c'est bof. Putain, qu'est-ce que ça c'est bof. C'est bof, un bof. Putain, le putain de bof. Jamais éprouvé ça auparavant. Laisse-moi seulement te prouver que ce n'est pas du vent. Personne n'avait de lever en moi de tels sentiments. Dis-moi que j'ai une chance même si tu me mens. Je ne te demande pas la lune, seulement de me laisser t'aimer. Une fille comme toi y'en a qu'une, donc je compte pas la laisser tomber. Je comblerai chacune de tes envies inavouées si tu nous laissais. Bon, tout le monde a compris le principe du clip. Kinvé dicte au mec moche ce qu'il doit lui dire afin de pouvoir conquérir le cœur de sa bien-aimée, hein, via une oreillette dans un premier temps. Kinvé, le mec le mieux placé au monde pour donner des conseils en drague. Avec la technique du « suis-la partout, t'inquiète frère », au bout d'un moment tu vas voir, elle va lâcher prise. La technique du regard insistant et du mime du bisou, très important. Et si elle est insensible à tout ça, hésite pas à lui coller la grosse semaine sur la cuisse. La technique de s'infiltrer chez elle pour renifler ses sous-vêtements, bon, c'est un peu risqué, je te conseille de t'entraîner avec ceux de ta sœur. La technique du voyeurisme, la technique de la poupée gonflable. On est clairement ici face au plus gros forceur de la décennie, toujours rejeté. Plus personne ne veut de lui, même les fruits et les légumes. Listen to your heart. Même les frites. Vous voyez ça, c'est ce qu'on appelle la blague de trop.
Et ce monsieur prénommé Kevin, je trouve que c'est quand même important de le préciser, Kevin c'est quand même un prénom qui n'est pas anodin, est aujourd'hui coach en séduction pour Monsieur Chaussure à Scratch. En soi, il est hyper bien placé, c'est comme si Christina Cordula, demain, on la met à commenter les matchs de Champions League. Je peux vous dire qu'il y en a qui vont zapper. Alors Kinvey rappelle Manon pour le passer à Monsieur Chaussure à Scratch, qui malencontreusement va tomber au sol. Bon, de toute façon vous venez de le voir, ça sert à rien que je le répète. Alors petit bémol dans le scénario, le fil du téléphone passe sous la poignée. Déjà c'est chiant, mais faut vraiment le faire exprès. Je veux dire, c'est très peu probable que tu puisses faire ça inconsciemment, sans faire exprès, comme par hasard. Attendez. Le plus triste dans tout ça, c'est que Monsieur Chaussure à Scratch, il parle à personne au téléphone puisqu'il n'est pas branché. Et donc, ma question est la suivante. Avec qui la meuf est-elle au téléphone? Allô? Nous laisser rien qu'une fois, toi et moi. Rien qu'une nuit, je t'en prie. Rien qu'une fois, toi et moi. Peut-être pour la vie. Bon alors déjà, même en exagérant au plus haut point, qui met sa casquette comme ça? À part Black M, et tu sais ce mec que tu voyais au lycée, que tu connais pas, mais qui est en bac pro méca, il a tuné son spirit 50 cm3, il porte du street swag, il fait du foot en Kalenji, et ben lui il est potentiellement capable de mettre sa casquette de cette façon. En plus, t'as une régression de budget. Kinvey il passe de l'oreillette stylée et tout. C'est genre où tu parles à distance et tout, comme dans le film Hitch, tout ça, à une pancarte écrite au stylo. Ça c'est triste quand même. En plus, il y a quoi? Il y a 4 phrases à apprendre. En plus, il les connaissait déjà, Monsieur Chaussure à Scratch. Je trouve qu'il y a un peu de mauvaise foi dans l'air. Bon, heureusement Kinvey va. Je vais pas twister, c'est juste je remonte mes manches. Kinvey va passer à l'action. Hein, il va pas le laisser comme ça, il va pas laisser Monsieur Chaussure à Scratch dans une situation catastrophique. Heureusement qu'il est là. Rien qu'une fois, toi et moi. Rien qu'une nuit, je t'en prie, rien. Alors voilà, il propose un plan. Ça, bon, faut reconnaître que c'est une calèche, et ça, un cheval. Oui, bon après, le niveau en dessin de Kinvey, je vais pas cracher dessus, mais voilà, on va dire que c'est entre CE2 et Squeezie. Et Kinvey va enfin relooker totalement Monsieur Chaussure à Scratch. Toi, toi et moi, ou peut-être pour la vie. Je t'emmènerai là où tu voudras. Je te prouverai que je t'aimerai juste sous les draps. J'apprendrai chaque partie de ton corps sur le bout des doigts. On réinventera le Kama Sutra. Ok, ça a l'air d'avoir marché. On sent qu'il y a un avancement dans l'histoire. Mais il y a une attitude à avoir. Être beau, ça suffit pas en fait. Il n'y aura aucun tabou. Je te ferai des câlins tout doux, tout doux. Tu n'auras pas besoin de me pousser à bout pour entendre des mots doux sortis tout droit de ma bouche. Bon alors déjà le gag de la banane. C'est vieux comme le monde, j'y crois moyen. Selon les questions qu'on ça marcherait. Mais est-ce que ça mon gars c'est une réaction possible quand tu vois une banane? Fais gaffe, t'es une banane! Mais même quand il y a une crotte de chien, tu fais pas autant de gestes, enfin. Et le pire, c'est pas ça, c'est la suite. Bon, déjà, on est d'accord que c'est un bâtard, le mec, parce que je préfère glisser que de me prendre un seau d'eau dans la gueule. Mais là, est-ce que vous voyez bien que la peau de banane est juste en face du portillon? Et on est d'accord. Ok, on regarde. À vous pour entendre des mots doux. Et comment t'expliques que, comme par hasard, elle se retrouve 10 mètres derrière? Et eux, ils sont pile à côté d'une flaque d'eau, alors qu'il y avait aucune voiture à l'horizon. Comme par hasard, on appelle ça un faux raccord. Bon, je fais le relou, mais tout ça pour dire que c'est un faux raccord qui, je pense, à mon goût, devait être évitable. T'en prie, rien qu'une fois, toi et moi, peut-être pour la vie. Rien qu'une fois, toi et moi, rien qu'une nuit, je t'en prie. Rien qu'une fois, toi et moi, ou peut-être pour la vie. Bon alors Kinvey apprend à danser au mec. Il lui transmet tout le savoir que son ballet lui avait appris. Oui, il a appris à danser avec un ballet. Enfin bon, c'est pas le sujet. Alors on notera la présence plutôt remarquable, hein, du caméraman, avec ce qui ressemble à un ronin, je sais pas quoi. Enfin bref, on l'a vu ici. On lui fait coucou, on le salue, bravo, enfin, tu es l'heureux élu des caméramans vus dans des vitres, des clips de Kinvey. C'est très long, c'est trop long comme blague. Sous les dessous de la couette, tu trouveras sa chouette. Quand sur le mur la lumière projettera nos silhouettes. Des petits mouvements saccadés, d'un coup je m'arrête. Toi qui as la parole aisée, tu resteras muette. Car je vais tellement t'enculer. C'est un spasme. À chaque fois que ce passage de la musique arrive, le moment arrive, j'ai tellement l'impression qu'il va le dire que ça me frustre qu'il le dise pas. Du coup, je l'ai dit. Voilà. T'en cul. Enfin bref, ouais. Et que ton corps va totalement s'abandonner. Je ferai naître en toi des talents qui jusqu'alors étaient insoupçonnés. Rien qu'une fois, toi et moi. Rien qu'une nuit, je t'en prie. Rien qu'une fois, toi et moi. Peut-être pour la vie. Rien qu'une fois, toi et moi, rien qu'une fois.
Et voilà, le grand jour est arrivé, place au mariage, la mission est une réussite. La conclusion de l'histoire, c'est qu'en fait, si t'es moche, bah t'as qu'à être beau. Sinon, ferme ta grande gueule, et c'est mort. S'il fallait que je fasse une remarque à tout ça, la meuf a pas remarqué que le mec qui traîne avec son nouveau gars, c'est à la fois le mec qui l'accompagne partout, le mec qui conduit des calèches, le mec qui est prêtre. Eh bah non, elle a rien vu, elle est... pas dire de grossièreté, hein, on n'est pas là pour dire pute, 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 pute. Alors à tout ça, j'ai conclu que le mec qu'elle l'appelait chéri au début du clip, c'est lui. À quel point il bat sur le cul de la mariée, je me dis que bon, il y a peut-être des regrets dans l'air. Bref, tout ça pour dire, c'est pas dingue, mais la musique est pas nulle non plus. C'est pour ça que je me suis penché objectivement sur le clip. Je trouve qu'il y a des erreurs un petit peu partout. Je pense qu'il a été fait à la va-vite, à mon avis. T'as du grain, la colorimétrie est pas belle, il y a des bugs, des faux raccords évitables, des problèmes de cohérence. Enfin bref, des petits trucs à la con, tu vois, y'a rien de grave. Je kiffe Kinvey. En fait, ça a l'air d'être un mec sympa. Il met de l'humour dans ses clips, il fait des sons pour danser. Il a fait des trucs excellents comme des trucs, bon voilà, nuls. Mais il s'en fout, il vit sur le truc et j'ai l'impression que c'est juste un mec qui vit et qui kiffe. Donc moi, c'est cette impression-là que j'ai de lui qui reflète une bonne image que j'ai de lui après. Bon voilà, c'est pas ce que j'écoute. Et pour vous prouver que je l'adore, j'ai coupé mes cheveux en forme de sa bouche. J'étais tombé sur une vidéo qui avait tourné sur Twitter de Kinvey qui fait un freestyle, il pourrait faire des sons reggae ultra lourds. Bref, pensez à mettre un petit j'aime pour le soutien. Ça fait toujours plaisir pour le youtubeur d'avoir le petit sentiment de se dire ah putain, on n'est pas que un produit de consommation. On nous regarde pas et 5 minutes après c'est fini. Tu sais, ça, tu laisse ta trace, fais-toi plaisir, ça me fait plaisir. Et donc voilà, je vous laisse avec les clips de groupe indé, voilà, que je valide. Je vous laisse cliquer ici, voilà. Et bonne année 2016. Année de la baise.